Et pour nous finir, Clarence Chenoine, bon, pas d'abord quitte ou aller, sans moi, pas, moi-même personnellement, un dossier qui touche ma cœur. Et certes, moi, c'est un dit ça, un genou dans le domaine, nan, et, ou même comme un pionnier, un exemple et du journalisme, de Jean-Métier à doué professeur. Et comment on va vivre descente aux enfers ça, de la presse haïtienne ces derniers jours, alors ces dernières années, notamment avec question réseaux sociaux, côté métier, hein, li très mal vu et li a très mal professé. Sans soulever là, frère, sans gros questions ou soulever. Alors, pour ne pas aller long sur lui-même, ma frontière analyse tout court pour m'expliquer. La presse haïtienne a souffri de trois bagailles en particulier. Elle souffrit. Oui, alors, côté Oui. coupure, ou dit la Alors. presse haïtienne, il souffrit de trois bagailles. En allez. OK. Trois problèmes qui posaient sur la presse là. Un problème de multiplication. De développement trop rapide de la presse, c'est-à-dire qu'on vient de paquet de radio, paquet de télévision qui créé, pas de contrôle. Et ça, c'est un problème que lié. Parce que parallèlement à ça, ou pas, je vais empiler l'école de formation qui pour former moun. Donc, forte gain, école de formation, autant que gain radio et télévision, autant que gain journal, etc. Troisième problème qui vient poser, c'est problème technologie qui facilitait médias en ligne vient créer. Technologie à là, eh ben, puisque tout le monde a la facile qu'on y a pour créer une radio en ligne, pour créer une télévision en ligne, pour une chaîne YouTube, pour gagner un réseau social qui a des informations, mais tout le monde a fait métier sans y va passer l'école, donc ça ne veut pas qu'on ait règles déontologiques et règles de pratique métier. Encore une fois, absence de contrôle. Contrôle, la parole dit pour l'État, il contrôler ça, on dit non, mais il faut gagner des réglementations. Ou qu'on est, métier a gonjan ou fonctionne, gonjan li professe, ou métier gen bé a balade, ni faut qu'on est, li gen règle déontologique li, li gen règle d'éthique li. Malheureusement, absence, tout problème sa yo, fait que ou vin gon presse jodi a la, ki se yon côté, son bouyamimi, côté tout moun entre yo fait ça yo vle, yo dit ça yo vle, yo parle ça yo vle la micro, yo critique jan yo vle, c'est pas ta pi mal la, ça so critique jan yo vle, mais c'est passé n'importe bagay. Et qui m'a dit une triture, qui m'a dit une expérience qu'on doit gagner, fait pour une monsieur vous bandit, tout bagaille. Fait donc, tout a été bagaille ça. Au fait que Presta vient dévoyer et il vient affaibli. Et Presta, la qualité que tu dois gagner. Donc, lorsque la qualité n'est pas là, et c'est quantité qui prend le pas sur la qualité, eh bien, il vient toujours. Situation presse là, je dis, à notre pays d'Haïti. Alors, dans tout secteur, et syndicats, joué un rôle important, et dans le travail, ça, au juge qui t'a dû faire là, ANMH, qui c'est Association Nationale Patron Média, des médias haïtiens, patron, yo, et AJAS, qui c'est Association Journaliste, est-ce que yo, même tout, vous n'avez pas de travail pour faire dans formation continue, non, oui, régularisation de cas dit de nouveaux médias yo on dit aux médias qui en ligne yo de oui ou capable toujours vivre une journaliste mais si gain formation qu'a fait de temps en temps c'est sûr que et t'as capable jeune journaliste ça yo t'as profité de formation ça yo faire de séances de formation pour yo de cas dit très rapide pour permettre que yo gagne ne serait-ce que base là pour yo capable professer ce métier. Il y a absolument raison. Ça, c'est responsabilité, on est capable de dire, principalement, on dit quatre secteurs. Secteur patron de médias, ils ont responsabilité parce que, effectivement, leurs médias, il faut chercher à offrir la qualité là-dedans. Journalistes ont une responsabilité là-dedans en termes de défendre l'intérêt journaliste autour eux-mêmes pour qu'ils soient bien payés. Hein? Vous comprenez? Bien formé, parce que ça, c'est un problème qui vient dans la presse parce que les journalistes ne sont pas bien payés. Donc, il y a des dérives qui entrent dans la presse parce que les journalistes ne sont pas payés, ils sont influencés par n'importe qui, ils font n'importe quoi. Troisième secteur, c'est avec Mikoa. Avec Mikoa. Et la menace, toi, avec Mikoa. Donc, troisième secteur, avec lui, c'est l'État. L'État a un rôle pour jouer tout dans la question ça. C'est-à-dire que l'État, il faut le cadre de dévolution la presse. C'est un bon bagaille.
Moi-même, j'ai toujours considéré un journaliste comme un professionnel, même j'avais un médecin ou bien un ingénieur. Mais si l'État pas présent pour le dire, mais qui j'en pour l'école médecine fonctionner, mais qui qualité pour diplôme n'a gagné, et maintenant qui cadre déontologique pour médecin fonctionner, eh bien, on peut aller gagner un peu de pique de tout côté et puis capturer le monde. Donc, c'est même bagarre pour la presse là, oui. Il faut que la presse là, un cadre d'évolution, un cadre de réglementation qui pour dire, monde qui a professé métier, mais qui j'en pour l'école de formation en fait, mais qui diplôme pour gagner, mais qui j'en tout pour évoluer en dans métier là, pour capable faire bien. Pas pour le contrôler, ça on va le dire, parce que là, ça va mettre babouquette dans la bouche moun. Pas pour le dire, mais limite liberté, mais toute liberté a une limite. La loi fixe les limites là-haut. Et règlement que journaliste apprend, tu même a fixé les limites là-haut. Donc, toute bagaille, ça a été adressé pour résoudre le problème de la presse. Pour la... Parce que la presse, c'est un élément qui est extrêmement indispensable dans le système démocratique. Lorsque la presse a fonctionné, a critiqué, qu'a analysé, qu'a fait des recherches, qu'a fait enquête, eh bien, il y a des démocraties avancées. Mais lorsqu'on a une presse qui pas réglementée, qui pas d'information et qui pas un cadre d'évolution, il est capable d'un handicap pour la démocratie parce que trop voyez monter, trop voyez pour le fait que ou pas évoluer dans, on est capable de dire, renforcement de institutions politiques et démocratiques dans le pays. Et Clarence Renoir, vraiment, nous te prenons plaisir pour nous recevoir dans l'émission Point Rouge. C'est une première fois, moi sûr que ce n'est pas une dernière fois, nous avons gagné pour nous parler plus souvent, notamment sous des dossiers qui concernent les pays. Nous connaissons Unir Haïti, remet pays. Unir Haïti toujours, par le touchement de vous-même qui a mené back Unir Haïti, toujours à prendre des positions. Eh bien, et ici à tout, priorité nous c'est Haïti. Eh bien, et à chaque fois, nécessité à lui paraître, nous avons toujours fait appel à même pour nous capables parler sur ça qui est bon pour le pays d'Haïti.